Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre présence. Tout le monde est prêt, tout le monde s'assoit, enfin ceux qui veulent s'asseoir évidemment. Donc la conférence de presse va se dérouler en trois parties. La première partie, donc, ça va être une prise de parole de monsieur Damien Olivier Sadran. Suite à ça, il y aura l'exercice des questions-réponses et à la fin on finira par une séance photo. Je vous invite à commencer, messieurs. Bonne conférence de presse. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à tous et à toutes et bienvenue au Stadium. Je voudrais saluer Monsieur le maire qui nous a fait la gentillesse de se joindre à la conférence de presse. Je voudrais aussi remercier Madame Delga et Monsieur Méric pour leur soutien tout au long du processus du rachat du club. Monsieur le maire, vous êtes le premier qu'on est venu voir et votre soutien a été décisif dès la première semaine. Je vais vous faire un peu l'historique en fait de ce qui s'est passé depuis qu'on a commencé les négociations je vais vous faire un peu l'historique, un peu le pourquoi nous avons choisi d'investir à Toulouse et de racheter le Toulouse Football Club avant de passer la parole à Olivier et puis après on prendra des questions qui vous semblent juste. Donc, en termes de, au niveau de l'historique, des représentants de Redbird sont venus pour la première fois à Toulouse au mois d'octobre 2019. Ils ont fait, enfin, nous avons fait, ou ils ont fait une recherche, une étude de marché dans le football européen depuis 3 années. Sur les 3 années, ils ont analysé à peu près, ou on a analysé environ 70 clubs. Sur les 70, ils ont dû en visiter entre 20 et 25, dont Toulouse. Je le sais parce que j'ai vu les photos, ils sont en photo au bord du terrain. Donc les premiers contacts avec Olivier remontaient à cette époque-là. Ensuite, il y a eu l'épisode du Covid qui a ralenti beaucoup de choses. Entre-temps, Olivier avait commencé à discuter avec d'autres potentiels investisseurs. Une fois que cette période s'est achevée et où on était libre de se reparler, je dirais, nous avons discuté longuement, beaucoup de fois. Il y a eu un premier document de signé qui était une lettre d'intention, qui était extrêmement détaillée, au point où le rôle d'Olivier, bien sûr, en tant que président, était inclus dans la lettre d'intention, ou mon rôle aussi dans la période de transition, qu'on avait appelé ça une période de transition d'un point de vue juridique. Donc on savait très bien où on allait, c'était très clair entre Redbird et Olivier. Sur la sortie suite à la lettre d'intention que nous avons signée, on a procédé à ce qu'on appelle le signing, donc c'était la vente officielle du club d'une certaine manière. Je pense que c'était il y a un peu plus de 3 semaines et demie, je pense. C'était très tard, un dimanche soir, si mes souvenirs sont bons. Bon, je vous passe les nuits à négocier. Quand on parlait jusqu'à 3-4 heures du matin, Olivier avait la gentillesse de m'appeler à 8 heures du matin pour savoir comment ça allait. Donc ça a duré ça à peu près 15 jours. Ensuite, donc après le signing, il y a un délai légal de par lequel il faut passer. Parce qu'il doit y avoir démission du conseil d'administration, il doit y avoir nomination d'un nouveau conseil d'administration. Donc tout ça a été fait il y a quelques jours maintenant. Donc je veux faire une chose, c'est m'excuser auprès de tous ceux d'entre vous qui m'ont contacté et à qui j'ai fait une réponse laconique, désolé je ne peux pas parler. Je m'en excuse, mais vraiment, on ne pouvait pas parler pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a toujours des clauses de confidentialité dans ce genre de document. Et puis, en plus, parce que Olivier et moi, on a été d'accord dès la première conversation. On s'est dit, ce genre d'opération ne marche que si ça reste confidentiel. Et on a gardé ça confidentiel le plus longtemps possible, jusqu'à la signature de la lettre d'intention, en fait. Et je suis persuadé qu'on a réussi parce que tout est resté confidentiel. Donc, excusez-moi encore pour ça, mais malheureusement, on n'avait pas le choix. Voilà, donc ça, c'est un peu l'historique. Donc, il y a eu des missions du conseil d'administration la semaine dernière, nomination d'un nouveau conseil d'administration, dont j'ai pris la tête en tant que président. Maintenant, le pourquoi Toulouse.
Et pourquoi le choix de Toulouse parmi tout le nombre de clubs dont je vous ai parlé? En fait, RedBird est connu pour être un fonds qui est très discipliné dans ses investissements. Et très tôt, nous avons identifié quatre critères qui nous permettraient, enfin, qui provoqueraient un investissement dans le foot en France. Le premier, c'était... je ne sais pas si les quatre que je vais vous donner sont en l'ordre de préférence, mais en tout cas, le premier, c'est celui qui revenait constamment, c'était l'importance de la ville. On voulait une ville qui soit attractive, une ville qui soit dynamique, une ville avec une démographie importante, jeune. Vous me corrigerez peut-être, monsieur le maire, mais je pense que c'est la deuxième ville en France au niveau du nombre d'étudiants. Il y a environ 100 000 étudiants. Donc une population jeune, une population très dynamique, avec un tissu économique local extrêmement dynamique. Comme je ne suis pas d'ici, ce n'est pas quelque chose que je vais vous apprendre, mais je le dis quand même. Donc l'aspect de la ville était très important. Le deuxième aspect, c'était d'avoir un partenaire local sur lequel on pouvait s'appuyer. Et Olivier était le partenaire idéal. C'est pour ça que dès le départ, on s'est très rapidement mis d'accord sur le fait que les deux parties aimeraient qu'Olivier reste en tant qu'actionnaire et au conseil d'administration. Le troisième élément, c'était la qualité des infrastructures. On est ici dans un outil magnifique qui est le stadium, qui a été refait pour l'Euro 2016, comme vous le savez tous. Il y a un centre de formation de qualité aussi. Grâce à l'engagement de monsieur le maire, on va avoir des installations qui vont être développées aussi sur les 12 à 18 mois qui arrivent. Voilà, donc ça a été un élément important. Et puis je dirais le quatrième élément, c'était le potentiel du club. Donc prendre un club avec peu de potentiel de développement sur l'avenir, c'était quelque chose qu'on n'envisageait pas. Qui dit grande ville dit potentiel. Qui dit potentiel dit progression. Et tout ce que fait RedBird dans tous ses investissements, et moi personnellement, tout ce que j'ai fait dans ma carrière aussi, je pense qu'on se rejoint, RedBird et moi, sur un point, c'est une obsession pour la progression et pour créer un environnement de haute performance. Et en mettant le pied à Toulouse, je dirais, pour tous les critères que je viens de définir, c'était exactement ça. C'était un club qu'on pouvait développer à l'avenir sur plein d'aspects, sur l'aspect des infrastructures qu'on peut sûrement améliorer, sur l'aspect stade, sur l'aspect relation avec les supporters, sur l'aspect sportif, bien évidemment, sur le terrain, sur l'aspect formation. Donc tout le potentiel qu'on a identifié au niveau du club pour nous a été absolument essentiel. Et puis je dirais le cinquième point parmi les quatre, si vous me permettez, mais qui était aussi très important, on n'envisageait pas d'investir dans un club qui n'avait pas un projet de formation fort. Vous avez vu le classement qui est sorti hier, si je ne me trompe pas, on est 8e du classement des centres de formation en France. Je crois qu'on a été classé 9e précédemment au niveau européen. La progression est de 11e à 8e sur les 12 derniers mois. Donc il y a un centre de formation extrêmement costaud, qui est fort, qui produit des joueurs, qui produit des joueurs de qualité. Sur le premier match qu'on a vu hier, qui produit des joueurs de qualité et de caractère et de personnalité, c'est ce qui m'a absolument séduit pour le match d'hier. Voilà, donc on sait que en apportant plus de ressources, en apportant des idées, on a énormément d'idées sur comment développer encore plus la formation. Ça, c'était aussi un aspect très très important par rapport à l'investissement qu'on fait à Toulouse. Voilà, en résumé, un peu d'historique, un peu du pourquoi et des raisons. Monsieur le maire, vous voulez dire un mot, peut-être ? Là. Pardon. Non, un mot très court, j'ai pris la parole des journalistes. Juste un mot d'abord pour remercier Olivier de tout ce qu'il a fait pendant près de 20 ans au service du club, avec beaucoup de fidélité, beaucoup d'engagement personnel dans les bons jours et dans les moins bons jours. Je lui sais gré en particulier ces dernières années où les choses étaient plus difficiles, d'être resté à la barre pour ne pas partir sans se retourner. Et l'éthique qui est la sienne sur les valeurs du sport
et qui est très très profondément ancré en lui, on en a souvent parlé, je pense était une garantie morale, j'ose le dire, de cette attitude qui est une attitude d'intérêt général. Ensuite, je veux bien sûr souhaiter la bienvenue à Damien Comolli et à travers lui à Redbird Capital. C'est vrai qu'on a eu un bon contact avec vous, avec les deux dirigeants américains il y a quelques semaines. Laurence, comme adjointe au sport, était là. C'est important pour nous, d'abord parce qu'on est un partenaire important. Alors, quand je dis « on », c'est la mairie et la métropole, puisque les installations sont désormais métropolitaines, de par l'évolution de la loi, il y a quelques années. Et puis, ce que je voulais, c'était important pour moi, comme maire, ce que je voulais vérifier, c'était votre éthique à vous. Hein, je parlais de celle d'Olivier tout à l'heure. Il était effectivement pas du tout très positivement ressenti chez moi l'hypothèse d'un scénario à la bordelaise, c'est-à-dire une approche financière uniquement capitalistique, et même si bien évidemment le paramètre économique, on le sait, est quelque chose d'incontournable, je souhaitais qu'il y ait une approche que je qualifierais sociale ou sociétale, c'est-à-dire une relation à la ville, et vous avez cité parmi les critères de choix qui vous ont nourri dans la réflexion de ces derniers mois, de ces dernières années, la ville, la relation à la ville, le dynamisme de la ville, et c'est important pour moi parce que le club, c'est un des phares de la ville, c'est un des drapeaux qui représente la ville et qui représente donc les Toulousains, au sens large du terme, hein, parce que le public, il est toulousain ou garonnais et régional, on le sait bien. Et je suis très attaché à ce que l'élite soit en relation avec, je dirais, la base, c'est-à-dire le foot amateur, avec les clubs toulousains, avec les quartiers, tous les quartiers prioritaires, prioritairement donc, et avec également la jeunesse toulousaine, que le club ait cette relation de fond. Olivier y a veillé pendant toute sa présidence et c'est là aussi une approche d'intérêt général importante pour le maire que je suis. Et là-dessus, les réponses que j'ai eues m'ont été, je dirais, agréables à entendre, ont été rassurantes. Et c'est dans cet esprit que je suis venu aujourd'hui symboliquement avec Laurence pour justement souhaiter que tout se passe bien et souhaiter que le club retrouve une place plus conforme à ce que nous souhaitons tous, et donc vous exprimez ma confiance et mes sentiments de bienvenue très, très positifs. Voilà. Merci beaucoup. J'en profite moi aussi pour remercier Olivier pour la manière dont toutes les négociations se sont déroulées d'abord. La manière dont la période de transition s'est déroulée, vous nous avez fait confiance, vous nous avez suivis sur des choix forts, alors que c'est vous encore qui étiez décideur sur des départs de joueurs, sur des arrivées de joueurs, sur un choix d'entraîneur. Cette période de transition s'est faite dans une collaboration totale. Je trouve que tu as fait un travail absolument formidable pour développer le club depuis 20 ans. Tout le crédit revient quand on voit la qualité des installations, la qualité de la formation, toutes les années magnifiques aussi qu'il y a eu au club. D'une manière plus personnelle, et je ne te l'ai jamais dit, mais depuis qu'on se connaît, je suis vraiment en admiration pour tes qualités d'entrepreneur, de chef d'entreprise, mais plus d'entrepreneur. Et ce qui m'a surpris, ça ne m'a pas surpris, ce qui m'a interpellé, c'est que dans toutes les réunions que l'on a faites, ensemble, que ce soit avec des institutionnels ou des partenaires, c'est que je voyais à quel point les gens ont de l'admiration pour ta réussite et pour ce que tu as fait pour le club. Et je dois dire que je l'ai rejoint, parce que te voir au jour le jour, la manière dont tu défends le club, ou tu défends ton entreprise, ou tu défends la ville, ça m'a beaucoup impressionné. Merci. Voilà. Donc, je te passe la parole. Monsieur le maire, merci. Damien, merci. J'ai pas véritablement envie de revenir et de faire un inventaire de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait. Je pense qu'il y a
grosso modo, depuis 2001, trois périodes. Une première période qui est celle de la passion, de l'amour fou, et dans laquelle, tous ensemble, on a pris des risques économiques et sportifs absolument démesurés, d'un club qui était au tribunal de commerce et qui, quelques mois après, se retrouvait à jouer au 7 deniers après le drame d'AZF, et qui, malgré tout, posait les plans du centre de formation, du 38, voire d'un parc d'attractions autour de la Garonne et autres. Et il y avait une dynamique extraordinaire qui, par la passion, a généré des résultats sportifs, parce que nous étions entourés à la fois de joueurs, d'entraîneurs et de l'ensemble des salariés du club, avec ce sentiment fabuleux qui est celui de survivre. Et cette période-là a sans doute été extraordinaire. Elle nous a amenés à recevoir Liverpool ici, jouer un tour préliminaire de Ligue des Champions et avoir des émotions d'une intensité absolument extraordinaire. Elle s'est poursuivie un petit peu après par des matchs comme celui de Bordeaux, ensuite par encore un petit peu de Coupe d'Europe. Et puis il y a une période plus stable qui correspond aussi pour moi à titre personnel au fait que mes enfants aient grandi et puis que surtout l'entreprise que j'ai la chance de diriger grandisse très vite. Et puis il y a une période qui n'est pas bonne, clairement, qui est grosso modo une période qui fait les 5-6 dernières années, dans laquelle l'entrepreneur que je suis ressentait à la fois une passion moins grande et donc a cherché à déléguer le fait d'être moins présent, mais aussi le sentiment qu'il fallait que quelque chose évolue. Et puis, il y a eu quelques miracles du maintien. Il y a longtemps que, très sincèrement, j'attends ce jour. Pour les journalistes qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je n'ai pas une passion pour la vie publique, et encore moins pour qu'elle soit étalée. Je suis de temps en temps dur, mais c'est ce qui a permis aussi de garder de la confidentialité. Là où d'autres repreneurs ont imaginé qu'en parlant à quelques journaux, ils allaient infléchir ma position, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et cette période plus difficile, qui date de 5 ou 6 ans, je l'ai ressentie, mais je ne l'ai pas suffisamment mesurée. Parce qu'à chaque fois, sur le plan sportif, les choses finissaient par miracle, par s'arranger. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans le choix des entraîneurs, beaucoup d'erreurs dans le choix des joueurs, beaucoup d'approximations. Mais par contre, ça a toujours été un club qui a su garder ses qualités de formation, qui a su être financièrement stable, et quand il fallait aider dans des moments difficiles, je l'ai fait. Et c'est pour ça que ce club est aujourd'hui toujours en vie. Je ne vais pas faire un inventaire à l'après-Vert parce que je crois que ça n'a pas de sens. Les plus anciens d'entre vous se rappellent des bons moments, des plus mauvais. Et ce qui est fabuleux en sport, c'est que l'émotion que vous génère la venue de Liverpool ou le 3-0 de Bordeaux est aussi forte que le coup franc de Bodigé à Angers. Voilà, c'est ça qui est beau dans le sport. Ça ne va pas me manquer pour deux raisons. D'abord parce que je vais le vivre par procuration, en restant actionnaire du club avec le même enthousiasme, mais aussi parce que je le vis dans d'autres sports et que finalement, au quotidien, ma vie n'est que sport et n'est qu'émotion, et que quand on est autodidacte, pour faire les choses, il faut y mettre aussi bien que ceux qui ne le sont pas. Il faut y mettre beaucoup de passion et d'émotion, beaucoup plus de force que les autres. Et j'ai très vite ressenti, dans les dernières années, que les paroles étaient forcées, les actes étaient forcés. Et finalement, cette descente qui n'est pas non plus un drame, hein, au regard du malheur qui peut être généré dans ce monde, ben finalement, c'est la résultante, quelque part, de cette passion qui est partie. Alors, beaucoup de gens sont venus pour acquérir le TEF, des opportunistes, des financiers, des locaux, des gens mal de reconnaissance qui pensaient peut-être, par ce biais-là, exister. Des gens qui peut-être pensaient exister politiquement, un jour ou l'autre, par ce biais-là. Et à tort ou à raison, personne n'a, à mes yeux, représenté la continuité, non pas des 5 dernières saisons, mais la continuité de l'esprit TFC
dans les quartiers, dans la formation, que Damien et les gens de Redbird. Et puis très vite, il m'est apparu deux ou trois éléments majeurs. La première, j'ai vraiment eu une discussion avec eux, qui est une discussion de gens compétents en termes de business, avec des investigations sérieuses, des questions sérieuses, des gens qui font attention à ce qu'ils vont acheter et à quel prix ils vont l'acheter et sous quelle forme. Et ça, ça m'a profondément rassuré parce que j'ai retrouvé le sérieux que j'ai régulièrement dans mon métier et qui n'est pas toujours présent dans le football, il faut le dire. Et ce n'était pas le cas d'un certain nombre de vos confrères. Ensuite, ce qui m'a impressionné, et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui profondément au Toulouse Football Club, c'est votre connaissance du sport à travers, c'est un mot très large, l'intelligence artificielle, la data. Ça ne remplacera jamais un très bon entraîneur, ça ne remplacera jamais un très bon joueur, mais avoir une analyse fine, comme le sport américain le permet, comme la première ligue anglaise le fait, comme vous l'avez connu, comme tu l'as connu, pardon, dans ta carrière, c'est vraiment quelque chose qui nous manquait. Nous avons fait des choix qui ont été trop de choix émotionnels, trop de choix faits trop rapidement, sans analyse assez forte, chez nos entraîneurs, chez nos joueurs. Et ça, tu l'as amené, c'est déjà présent, je sais que c'est présent, et ça, ça va totalement bonifier le club. C'est-à-dire que le club a des bases sociétales, financières, d'images qui sont bonnes, et vous allez amener ça, et ça va changer, tu vas amener ça, ça va changer complètement la donne. Et puis, enfin, l'autre partie, c'est aussi une partie qui est propre aussi au sport US, c'est gérer les supporters, savoir avoir une vision avec le marketing, la communication, les partenaires, pour lesquels, très objectivement, je m'étais aussi, à titre personnel, totalement essoufflé. Donc, nul ne sait de quoi l'avenir sera fait. Le sport est beau parce qu'il est aléatoire, parce qu'il permet toutes les passions, toutes les émotions. Mais sur la durée, quand on commet des erreurs de façon répétitive, on est en échec. Considérons que la L2 est un échec. Mais quand on fait les choses bien, au bout d'un moment, ça paye. Et je suis vraiment convaincu que votre Toulouse Football Club va très vite remonter en L1, va très vite se redonner une puissance, une image, une force, parce que les bases sont bonnes, et que le boulot va être de très très grande qualité. Voilà. Vous pouvez pas savoir comme je me sens heureux, même si personne ne peut prédire l'avenir, d'avoir le sentiment que vous êtes Redbird et que tu es le bon président et le bon partenaire. Donc je vous souhaite le meilleur. Je m'autoriserai à venir voir des matchs. Mais ce que je sais aussi, c'est que quand on part, il ne faut pas rester. Voilà, ça c'est très important. Et que je serai un actionnaire non exécutif. Un actionnaire qui viendra au conseil d'administration, qui te répondra à chaque fois que tu me le demanderas. Mais je me garderai à tout jamais de porter des jugements. Quand tu auras des questions, je te répondrai, mais tu devras faire ce que toi tu estimes, parce que trop souvent aussi, les gens partent en restant, et ça c'est une source d'erreur. Et quelque part, je l'ai commise de façon encore plus forte et mal appropriée dans les 4 dernières années. Donc en tant que Toulousain, je suis ravi de rester. En tant qu'amoureux du sport, je suis ravi de pouvoir vibrer dans les mois et les années à venir. Mais en tant qu'homme, je resterai non exécutif et à ma place, parce que pour moi, ça c'est très important pour te laisser travailler. Voilà. Merci à vous. Merci Olivier. Martin, on peut prendre des questions ? Donc on passe aux questions. Là, monsieur. Donc s'il vous plaît, présentez votre nom et votre média. Bonjour monsieur Comolli, Rémi Zaka de l'agence France Presse. Toute petite question. Vous attendez évidemment qu'on vous la pose. Quel est le prix de la transaction qui a amené Redbird à acheter le TFC? Ça, c'est la toute première question. Et on va déjà commencer par celle-là, et puis on verra après. Merci, je ne m'attendais pas que ce soit la première.
mais je l'attendais. Je suis sûr que vous attendez aussi à ma réponse, qui est de dire que c'est absolument confidentiel et que les deux parties sont tenues par des clauses de confidentialité qui ne nous permettent pas de révéler le prix de cession du club. Si tu permets, je rajouterai même que, bien entendu, ça doit rester confidentiel, mais qu'à aucun moment ça n'a été sujet à des discussions, jamais, et que ce n'était pas le sujet, parce que quelque part aussi, ce club, il appartient à, en termes d'émotion, il appartient à tous les Toulousains et tous les gens de Midi-Pyrénées, et que très objectivement, j'ai fait beaucoup de deals dans ma vie, c'est mon métier que d'être entrepreneur, le sport et l'entreprise du sport, c'est différent. Donc ça n'a jamais été un sujet, c'est pour moi correct, mais ce qui comptait le plus, c'est la valeur de transmission à des gens que je pense et dont je suis certain qu'ils sont compétents. Et pour rebondir là-dessus, on n'a même pas négocié le prix. Olivier nous a dit, c'est ça, c'est tel prix en L2, et on avait un prix prévu en L1, et on n'a pas négocié. Voilà. C'était très simple. Bonjour à vous deux, Wilfried Templier, RMC Sport. Une question pour M. Comolli. Quelle ambition avez-vous pour le Toulouse Football Club? On parle de volonté de remontée immédiate, mais où vous et le groupe Redbird veulent le placer dans un futur proche, au sein du football français? Oui, de remonter, c'est sûr, on veut remonter immédiatement. Je l'ai dit aux joueurs, je l'ai dit au coach dans nos entretiens. Le coach l'a dit aux joueurs aussi, donc on ne se cache pas là-dessus. On veut remonter dès cette saison. Ensuite, sur l'avenir, vous pouvez vous référer aux interviews qu'a donné Jerry Cardinal dans les médias, je crois que c'était hier. On veut s'installer en haut du classement de L1. Donc en haut, il y a de la place, hein, entre premier et sixième ou septième ou huitième. Je pense qu'il faut être en rapport avec la taille de la ville. C'est la quatrième ville de France. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas en haut du classement de la L1. Quand je parlais tout à l'heure dans mon introduction de potentiel, pardon, de potentiel, c'est exactement ça. Quand vous regardez le potentiel de la ville et le potentiel du stade et du club en général. Donc voilà, l'objectif, c'est ça. Bonjour, Stéphane Garcia pour Radio France. Vous parliez de travail, d'ambition. Néanmoins, il y aura des choses à améliorer. Vous en avez parlé. Sur quel secteur est-ce que vous avez déjà établi des priorités pour le TFC et des secteurs à améliorer dans les prochains mois, prochaines années? Comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit Redbird ou moi, on est des gens qui sont dans la haute compétition depuis toujours. Je crois que j'attaque ma 28e ou 29e année dans le football professionnel, en tant que ou entraîneur, ou recruteur, ou dirigeant, et maintenant de président. Et donc ce qui me pousse, c'est l'ambition, c'est le progrès constant. Et c'est exactement la même chose pour Redbird, c'est pour ça qu'on s'est associés. Tous les secteurs que vous pouvez imaginer, on va essayer de les améliorer. Comme on l'a dit tout à l'heure, les fondations sont excellentes, mais chacun peut arriver avec des idées différentes ou des idées nouvelles. Je pousse constamment l'ensemble des salariés du club. Je leur dis toujours, prenez des initiatives, soyez créatifs, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Et ça ne veut pas dire obligatoirement dépenser plus d'argent, ça veut dire se pousser en permanence, essayer de progresser soi-même, essayer de faire progresser le club. Donc après, je peux tout vous nommer, hein. Je peux vous nommer la relation avec les supporters, je peux vous nommer l'accueil des supporters au stade, je peux vous nommer la relation avec les sponsors, d'augmenter notre nombre de sponsors. Évidemment, tout ce qui va se passer sur le terrain, si on veut remonter tout de suite, c'est parce qu'on veut mettre en place une équipe très, très compétitive. Quand je vois le classement des centres de formation qui est sorti hier, je pense qu'on peut aller dans le top 4 ou dans le top 3, etc. Donc tous les secteurs sont améliorables. On a une vision pour tous les secteurs qui est assez claire du club. Grâce à la période de transition dont je parlais tout à l'heure, ça nous a permis de connaître le club, ça nous a permis d'avoir une vision encore plus fine de ce qu'on pouvait faire.
Bonjour, Romain Malric, intervenant France Bleu. Est-ce que vous avez bouclé le nouvel organigramme du club, et si oui, est-ce qu'on peut le connaître ? On a fait énormément déjà en 2 mois, parce que si je vous fais la liste de tous les gens qu'on a recrutés, vous seriez... Enfin, rapidement, donc il y a eu l'arrivée d'un coach, d'un entraîneur adjoint, on a prolongé plusieurs éducateurs, entraîneurs, préparateurs physiques qui étaient ici, on a pris un responsable du service médical à temps plein, on a pris des kinés à temps plein, on a pris un autre préparateur physique, on a pris un responsable du recrutement, on a pris un responsable à donner des data. Qu'est-ce que je pourrais encore vous donner? On a pris un responsable business, comme vous avez pu lire dans l'interview de Jerry Cardinal. Voilà, donc je pense que ça peut encore évoluer pendant la saison et puis sur les saisons qui arrivent. Mais encore une fois, pour ça aussi, on avait une vision assez claire de ce qu'on voulait faire, avec qui on voulait le faire. Redbird a un portefeuille de gens à qui ils sont en mesure de parler qui est assez phénoménal. Il peut décrocher le téléphone et appeler à peu près n'importe qui dans le monde du sport ou de la politique, du business dans le monde, ce qui vous donne accès à beaucoup de gens très intéressants. Et puis de par mon passé dans le foot en France ou dans le foot en général, mais surtout en France, avant de venir ici, j'avais déjà une idée assez claire de ce qu'on voulait faire, et au niveau des gens qu'on voulait faire venir, et au niveau de l'organigramme. Bonjour, Benjamin Laguerre, SoFoot. Dans les premiers mots de Jerry Cardinal, il a beaucoup insisté sur l'ancrage local du club. On sait que c'était une réalité sous la présidence d'Olivier Sadran. Est-ce que vous avez, par rapport à cet ancrage local, des pistes de réflexion nouvelles ou des projets à venir ? Mais c'est une des raisons pour laquelle on est venu à Toulouse, c'est parce que le club était très fortement ancré localement. Si vous regardez, ne serait-ce que sur un plan sportif, le nombre de joueurs qui sont sortis et qui sont de Toulouse, vous en avez encore dans l'équipe, vous avez bafaudé, il y a Boigard qui est parti, mais il est arrivé au club, il avait 8 ans. Nathan Ngomou, je crois qu'il m'a dit qu'il est arrivé au club, il avait 5 ans. Donc il y a des Toulousains dans l'équipe et le potentiel... de joueurs locaux est très important et très talentueux, et même si on va au-delà, hein, sur la région Occitanie, que je connais bien puisque je suis né ici, enfin à 200 km d'ici, donc l'ancrage local il existera, c'est sûr. On veut encore plus le développer parce que je pense que on peut étendre notre réseau de connexions, de ramifications à travers la région. On peut encore plus collaborer avec les clubs au niveau local, on peut encore plus collaborer avec la mairie, le conseil général, le conseil régional qui sont demandeurs aussi. Donc il y a une identité au club, il y a une culture au club qu'on cherche à renforcer, qu'on cherche à améliorer, mais elle sera toujours locale. Il y aura toujours cette identité-là, parce que j'ai compris dès le premier jour où je suis arrivé que c'était quelque chose de très fort, et c'est quelque chose que je comprends et qu'on veut absolument renforcer. Bonjour, David Arfi, Energy Group. Vous avez effectivement évoqué la formation qui est très importante. On sait aussi que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'on peut évoquer d'ores et déjà quel sera le budget pour la saison à venir du TFC ? J'aurais bien aimé passer la question à Olivier. Pas le budget, mais l'argent est le nerf de la guerre. Sans doute, oui et non. On ne l'a pas assez dit, mais quand on commet des erreurs avec de l'argent, on se retrouve, comme nous, sur les 3 dernières années, avec les masses salariales joueurs les plus importantes depuis 2001. Et vous voyez, ça n'a pas obligatoirement toujours donné ce que ça devait donner. Donc je pense que le plus important, c'est avoir de l'argent et l'employer à bon escient. C'est ça qui est important. Pour répondre de manière plus spécifique à votre question, sans entrer vraiment dans les chiffres, on aura le budget le plus important de L2, ça c'est clair et net, pour différentes raisons. Voilà, ce qui nous met devant nos responsabilités aussi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Quand vous voyez la moyenne depuis la saison 2011-2012 à la saison 2018-2019, parce qu'on n'a pas encore les chiffres définitifs pour la saison 2019-2020, la moyenne de la masse salariale, qu'il fallait pour monter en L1, de L2 à L1, était environ de 12,5 millions.
On sera largement au-dessus de ça. Donc, encore une fois, ça nous met devant des responsabilités. Et ça veut dire que on n'a pas le droit de passer à côté. Parce que tous les moyens seront à disposition pour que l'équipe tourne et pour qu'on joue la remontée tout de suite. Rebonjour, Stéphane Garcia, Radio France. Quand on parle d'investisseurs américains, certains pensent à Bordeaux, d'autres pensent à Marseille. Est-ce que vous avez un modèle, quel est le modèle économique pour le TFC et quelle va être la relation avec les supporters et notamment pour certains qui peuvent craindre ce qui se passe par exemple à Bordeaux? D'abord, avant de répondre de manière directe à votre question, je dirais que la première chose qu'il vous faut considérer, que vous prendre en considération, c'est le passé de Red Bird dans le sport de haut niveau. Si vous regardez tout ce qu'ils ont fait sur ou ce que Jerry Cardinal a fait de manière individuelle, ou le fonds a fait de Jerry depuis une vingtaine d'années, ou le fonds a fait plus récemment, ils ont une connaissance, comme Olivier l'a dit tout à l'heure, une connaissance du sport de haut niveau sur plusieurs aspects du sport qui est unique. Et je dirais, dans mes souvenirs, parce que vous savez, j'ai travaillé beaucoup en Angleterre, c'est le passé, le savoir-faire de Red Bird dans le sport de haut niveau, c'est du niveau de Fenway Sports Group, qui est le propriétaire de Liverpool. Ils sont propriétaires d'une équipe de NASCAR, qui est des courses sur circuit automobile aux États-Unis. Ils sont aussi propriétaires d'une franchise, une des plus grandes franchises de baseball aux États-Unis, qui est les Boston Red Sox. Donc ils sont arrivés à Liverpool avec un savoir-faire dans le sport. Et je dirais que c'est le niveau de savoir-faire, de connaissance, d'expérience dans le sport de haut niveau est très comparable entre les deux groupes. Donc ça vous place déjà Red Bird sur la carte du foot et du sport au niveau mondial. Ensuite, le business model du club, c'est simple. On veut augmenter les revenus, garder nos joueurs le plus longtemps possible, former des joueurs de qualité, avoir l'équipe la plus compétitive possible. Alors, est-ce que vous allez me dire, est-ce que vous êtes là pour perdre de l'argent? Je pense que personne n'aime perdre de l'argent. Donc, notre but, ça ne va pas être de perdre de l'argent. Notre but, ça va être d'augmenter les rentrées financières pour pouvoir réinvestir dans l'équipe. Ça, c'est clair et net. Et pour avoir une équipe compétitive. Voilà, le but, c'est ça. J'ai répondu à votre question? Et la partie sur les supporters, notamment Oui, très juste. Donc, mon opinion par rapport aux supporters et l'opinion de Red Bird en général, et monsieur le maire est parti, mais il pourrait en témoigner, on l'a dit depuis dans les toutes premières interventions que l'on a faites, et on l'a dit à Olivier aussi, on a une personne dans le fond, qui est le numéro 2 du fond, qui a été président de l'équipe de Dallas en NFL, le Cowboys, qui a été président des Cleveland Browns aussi à NFL, et il vous parle du travail dans la communauté, du travail dans les quartiers, comment faire venir les gens au stade, comment séduire les gens pour qu'ils reviennent au stade ou pour qu'ils viennent. Comment aller conquérir le public? Comment être proactif par rapport à ça? Comment écouter les gens? De quoi ils ont besoin pour revenir au stade? Donc c'est constamment, dans notre culture, ça va être ça constamment. Aujourd'hui, je vais proposer aux supporters de les rencontrer dans les semaines qui arrivent, tout groupe confondu, quel qu'il soit, parce qu'ils vont jouer un rôle très, très important. Je suis venu dans des matchs ici où, en tant que recruteur ou directeur sportif de club étranger pour superviser des joueurs, où je trouvais qu'il y avait une ambiance formidable. On me parle souvent de l'engouement qu'il y avait précédemment sur certains matchs. Donc je sais que ça peut exister. On aura besoin des supporters, des ultras ou plus anciens des abonnés. On aura besoin de tout le monde. Tout le monde sera respecté, tout le monde sera bien traité, tout le monde sera écouté. Et le fait que je voudrais les rencontrer rapidement, certainement avant la première journée de championnat, c'est parce qu'on veut avoir un dialogue avec eux qui soit constructif. Deux questions. Vous avez dit tout à l'heure que vous alliez renforcer l'équipe. Il y a à ce jour une dizaine de joueurs qui sont partis. Alors, question, comment les remplacer? Deuxième question, vous avez parlé de faire rentrer de l'argent. À partir du moment où le Covid, où
la Covid, selon l'Académie française, va limiter la jauge à 5000, voire si l'épidémie augmente, on pourrait revenir à du huis clos pour une période longue durée et peut-être jusqu'à la fin de la première partie de saison. Comment aborder la saison avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? Alors, pour répondre à votre première question sur les joueurs qui sont partis, il y en avait qui étaient en fin de contrat, d'autres qui étaient des retours de prêt, d'autres qu'on a accepté, un autre qu'on a accepté de vendre. On a pris déjà pour nous ce qui est un excellent renfort avec le gardien de but, avec Max Dupé, qui a fait une excellente saison l'année dernière avec Clermont. Qui est un gardien qui a de la personnalité, qui a du vécu, et c'était ce que l'on voulait. Ensuite, on est de manière constante en négociation avec des joueurs ou avec des clubs à l'heure actuelle. On a fait plusieurs offres pour certains joueurs dont on attend des retours. Donc on sait qu'on doit renforcer l'équipe, mais on sait qu'également il y a de très bons joueurs dans l'équipe, il y a de très bons jeunes joueurs. Il y a des joueurs qui ont de la capacité, qui n'ont peut-être pas exprimé jusqu'à maintenant, mais dont on espère qu'ils vont l'exprimer dans le futur. Je pense à des joueurs comme Saïd ou Koulouris, par exemple, ou Aaron, parce que quand vous voyez la performance qu'il a faite hier en deuxième mi-temps, c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'est par rapport au remplacement des joueurs. Pour le deuxième aspect de votre question, je pense que quand je parle d'augmenter les revenus, c'est un travail pas sur les 6 prochains mois ou pas même sur les 12 prochains mois, ce sera un travail de longue haleine. On va pas convaincre du jour au lendemain 20 000 personnes de revenir au stade. Il faut qu'on soit crédible dans ce qu'on dit, crédible dans ce qu'on fait, crédible dans ce qu'on fait sur le terrain. Les gens viennent pour la qualité du football qui est joué et pour les victoires. Donc il va falloir qu'on montre les deux. J'ai insisté énormément là-dessus auprès de Patrice Garand. Pour moi, c'était très important qu'on fournisse du jeu, qu'on fournisse du spectacle. Donc, s'il y a une incidence Covid, et elle existe, Olivier a communiqué là-dessus à la fin de la saison dernière, en écrivant aux abonnés, en écrivant aux partenaires. Donc, c'est sûr qu'il y a une incidence. Il y a eu une incidence Covid, il y aura une incidence Covid. Si la jauge reste à 5000, bien évidemment, mais ça ne va pas nous empêcher et d'une d'investir et de deux de travailler sur le long terme pour augmenter les revenus du club. Une question juste un peu plus précise sur ce recrutement, si vous pouvez me répondre. Est-ce que des joueurs dont on entend qu'ils vont être amenés à partir, comme Sangaré, comme Gradel, vont-ils partir ou y a-t-il une possibilité qu'ils restent? Et deuxièmement, sur ce recrutement, est-ce que vous pouvez nous dire combien de renforts le Toulouse Football Club attend d'ici la reprise du championnat? Alors d'ici la reprise du championnat, c'est une question que c'est un peu difficile de répondre parce que vous connaissez l'erreur qu'a commise la Ligue nationale, la LFP, sur la période de transfert. Donc on est un peu dans la difficulté. Donc on va tout faire pour avoir des joueurs qui soient enregistrés et prêts à jouer pour le 22, sachant que la période de transfert ouvre juste quelques jours avant, rouvre quelques jours avant. Ensuite, sur le nombre, écoutez, s'il n'y a pas de départ, on sera sur 3 ou 4 arrivées, pas plus. Et sur les joueurs qui sont susceptibles de partir, Max a un accord avec le club pour qu'il quitte le club, Max Radel. Donc je respecterai l'engagement du club et la parole du club. Et pour Sangaré, je ne sais pas si vous étiez au match hier, mais quand il rentre sur le terrain en deuxième mi-temps, il apporte beaucoup de lumière. Donc, il vous règle, c'est un joueur qui règle beaucoup de problèmes sur le plan offensif et sur le plan défensif. Donc c'est pas un joueur dont on a envie de se séparer. Maintenant il y a beaucoup de rumeurs autour de lui, il n'y a pas encore d'offres, mais je sais qu'elles vont venir, et peut-être qu'il y a un point où on ne pourra pas dire non. Je suis sûr que vous le comprenez, mais à part ces deux joueurs là on n'envisage pas d'autres départs sur les joueurs importants et sur les joueurs clés, et on n'a pas besoin de vendre financièrement, ça c'est important.
On n'est pas dans une situation où on dit il faut absolument qu'un tel ou un tel parte à cause de son salaire ou quoi que ce soit. C'est pas le cas. Grâce au travail d'Olivier et de ses équipes, on a des droits télé qui nous permettent d'absorber le choc de la descente. Ça, c'est la première chose. Et Redbird a apporté toutes les garanties financières à la DNCG pour les trois prochaines années qui font que nous n'avons pas besoin de vendre. Bruno Vincent, journal L'Humanité. Avez-vous rencontré Didier Lacroix? Quelles sont les relations que vous allez entretenir avec le Stade Toulousain? Est-ce que vous craignez que les deux clubs se fassent mutuellement de l'ombre? Alors, c'est une requête que je fais auprès d'Olivier. C'est que comme je sais qu'il est très copain avec Didier Lacroix, il me tarde qu'il organise un repas chez lui pour me le présenter. Et ça sera fait dans les plus brefs délais. Et... Enfin, je veux dire, le Stade Toulousain, depuis que Didier Lacroix est son président, ça n'a plus rien à voir dans les relations avec le Toulouse Football Club. On parlait tout à l'heure d'émotion, de passion du sport. Damien respire ça, Didier le respire au-delà du raisonnable. Et donc, je suis certain que le fit va se faire parfaitement entre tous les deux. Alors, je ne crains pas du tout de la concurrence. Vous savez, j'ai travaillé très longtemps dans une ville... à Londres, où il y a, si mes souvenirs sont bons, 14 clubs professionnels de football et 600 Premières Ligues en général. Donc il y a de la place pour tout le monde. Je suis né à Béziers, je suis né dans le rugby. J'étais à la finale Béziers-Toulouse en 1980. J'étais petit, j'avais 8 ans et demi. Donc vous comprenez bien que le monde du rugby ne m'est complètement familier. J'ai suivi, je suis tout ce qui se passe. Je trouve que le rugby est en avance sur nous, sur pas mal d'aspects, au niveau du management des joueurs notamment, au niveau de la création d'un esprit de l'esprit d'équipe, au niveau de pas mal d'aspects, au niveau de la manière dont les joueurs s'identifient au club. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Il me tarde d'aller visiter le Stade Toulousain, il me tarde d'aller rencontrer leur entraîneur, Hugo Mola, il me tarde de rencontrer Didier Lacroix. Depuis une quinzaine d'années, je parcours le monde pour rencontrer d'autres disciplines, de la F1 à la voile, au cyclisme, à la NBA, au football australien, au baseball, etc. etc. Donc le rugby, qui est le sport phare de la ville dans laquelle je suis né, bien évidemment, ça m'intéresse énormément. Et j'espère bien que Didier pensera à moi pour le match qui se déroulera ici de Coupe d'Europe le 20 septembre, pour pas qu'il m'oublie au niveau des invitations. Voilà. Donc je vois pas du tout ça comme un concurrent. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on peut travailler ensemble et échanger sur plein d'aspects. Bonjour, Nicolas Belobre pour le journal Toulousain. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport aux ambitions, aux objectifs que vous fixez, donc d'atteindre les places européennes. Est-ce que vous avez, en combien de temps vous espérez atteindre ces places-là? Et est-ce qu'il y a une enveloppe? Quels sont les investissements et quelle est l'enveloppe que serait prêt à mettre Redbird Capital pour atteindre ces objectifs? Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'organigramme. Est-ce que, Monsieur Sadran a dit qu'il ne prendrait pas de part active dans la gestion du club. Qu'est-ce qu'il en est pour, par exemple, Monsieur Soukas? Est-ce que vous allez continuer à travailler avec lui? Est-ce qu'il reste dans l'organigramme, puisqu'il est, il a quand même cristallisé un peu ces dernières années les difficultés, notamment avec les supporters. Merci. Au niveau des ambitions, j'ai pas dit place européenne, j'ai dit dans le top 6 ou 8 de la L1, ce qui est différent. Au niveau de l'investissement financier, comme j'ai dit tout à l'heure, personne n'aime perdre de l'argent. Donc si c'est pour investir et perdre de l'argent et arriver à peu de choses, c'est pas le but. On est persuadé que en faisant des investissements raisonnables, on peut atteindre nos objectifs. En termes de temps, le seul objectif de temps qu'on a, c'est de remonter à L1. Après, on n'est pas dans la précipitation, on n'est pas dans l'urgence. Comme l'a dit Jerry Cardinal, tous les investissements que fait Redbird se font sur le très long terme, pas le long terme, le très long terme.
toutes les discussions qu'on a eues en interne avec Redbird, c'est qu'est-ce qu'on fait à 7 ans, qu'est-ce qu'on fait à 10 ans, etc., etc. Ce qui est une période extrêmement longue dans le sport de haut niveau, je suis sûr que vous le reconnaîtrez. Voilà. Pour ce qui est de l'organigramme, peut-être que Olivier voudra dire un mot sur Jean-François. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que depuis que je suis arrivé, Jean-François a été extrêmement loyal envers le club, non pas envers moi, parce qu'il n'avait pas de raison de le faire, mais extrêmement professionnel, extrêmement loyal. Il m'a été d'une aide incroyable parce qu'il m'a ouvert tous les dossiers, toutes les portes, expliqué le fonctionnement de la Ligue, qui est, je ne vous le cache pas, vraiment difficile à saisir et nébuleux. Ou de syndicats de la Première Ligue dont le club est membre. On a parlé transfert, on a parlé dossier, on a fait des réunions ensemble au Conseil Général, au Conseil Régional, à la mairie et donc à la métropole. Voilà, donc l'arrivée d'une personne ou de plusieurs personnes dans un club, ça ne veut pas dire le départ d'autres. On est en pleine réflexion pour plein de choses. Mais en tout cas, je suis enchanté que Jean-François soit là et qu'il nous ait aidés et qu'il m'aide autant que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Ouais. Je rajouterai, sans être très long, qu'on ne peut pas focaliser sur l'échec sur une personne et que le premier responsable d'une descente en L2 et d'une rupture avec les supporters, c'est sans doute moi et j'en assume un certain nombre de choses. Je voudrais juste dire que si le Toulouse Football Club a trouvé Redbird et si le Toulouse Football Club va avoir le plus beau budget de Ligue 2, c'est aussi parce que Jean-François en tête, ils ont trouvé par leur travail et leur sérieux, non pas une faille, mais un point du règlement qui n'aurait pas été évident et pas appliqué et qui nous permet aujourd'hui d'avoir, parce qu'on a vécu, je crois, 17 ans en Ligue 1, des droits télé supplémentaires à hauteur de plus de 10 millions. Voilà, donc ça, je ne vais pas faire l'apogée ni la critique de Jean-François, ce n'est pas le lieu. Il a sa responsabilité, j'ai la mienne, au premier chef, toujours. Dans tous les cas de figure, s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas ce budget-là parce que personne ne l'aurait trouvé. Voilà, donc on lui doit au moins ça. Et ensuite, vous savez, quand vous êtes dans une maison, depuis longtemps, il y a des choses que vous ressentez. Difficultés dans le médical, vous voulez faire ça, vous voulez faire ci, etc. Vous sentez les choses, et notamment la difficulté qu'on a eue avec les entraîneurs. Vous sentez, par exemple, ça j'ai besoin de le dire, qu'un garçon comme Cahuzac, il n'y a pas mieux pour une équipe de notre niveau. Et puis, vous, quand vous n'êtes pas assez présent, et puis vous n'arrivez pas à actionner, parce que c'est très compliqué la relation avec les coachs, mais en plus... Quand vous n'êtes pas là, c'est difficile de dire à un coach que Cahuzac, il est vital. Et quand on vous dit qu'il ne peut pas jouer 10 matchs par an et qu'il en joue l'année après 30 ou 32 ailleurs. Voilà, donc toutes ces petites choses, on les ressent. Il faut être dedans pour les faire. Et je vous le dis, ma plus grande faute, si faute il y a, c'est d'avoir été ni dedans ni dehors pendant 4 à 5 années parce que la passion s'évapore et d'avoir commis des erreurs. Donc... Jean-François ne peut pas cristalliser la totalité des faits qui font qu'aujourd'hui, on est en Ligue 2. Je préfère prendre ma part et ma part est supérieure à la sienne. Voilà. Dernière question. Bah, peut-être pour conclure, une question, Olivier Sadran, parce que c'est quand même une page qui se tourne après presque 2 décennies. Est-ce qu'il y a une émotion aujourd'hui quand même à voir cette page qui se tourne ou... Écoute, parce que tu me connais bien, donc tu m'as vu pleurer plusieurs fois. Là je ne crois pas que ça va être le cas. J'ai plus pleuré pour des victoires, tu vois, j'ai plus pleuré pour des choses comme ça. Non, il y avait de l'émotion tout à l'heure quand j'ai vu les gens et le personnel du club, notamment ceux avec qui on est sortis de l'ornière en 2001, qui sont là depuis longtemps. Je les ai aussi mis un petit peu en face de leur responsabilité, même si elle est infime et modeste, et je les ai invités à plonger corps et âme dans le projet de Damien, sans arrière-pensée, sans rien, c'est un beau projet. J'aurais peut-être sans doute beaucoup plus de l'émotion, j'en ai, mais je n'ai pas l'impression que je pars comme un voleur. Voilà, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, mais j'ai le sentiment aussi qu'il y a un socle solide, plus solide que ce qu'il n'a jamais été dans la durée à Toulouse.
dont je rappelle quand même que la spécialité, en dehors du match de Maradona, était quand même de monter, descendre, déposer le bilan, monter, descendre, déposer le bilan. Il y a eu de la continuité. J'aurais tellement aimé passer le relais en étant en Ligue 1, et j'ai tellement cru que c'était possible, que ça c'est une grave erreur. Et puis, j'ai tellement le sentiment que c'est le bon partenaire, c'est le bon choix pour ma ville. J'ai aussi envie, et pour certains d'entre vous, ce n'est pas un secret, j'ai aussi d'autres passions, des enfants qui grandissent, je vais les accompagner. Mon Adrénaline Sport, je vais la vivre en étant un membre du conseil d'administration du Toulouse Football Club et un actionnaire. Et puis, je vais continuer à la vivre sous d'autres cieux. J'ai aussi beaucoup de boulot après ce Covid-19 pour remettre mon entreprise sur le bon chemin. Et pour moi, l'entreprise, c'est du sport. Mais je travaille avec des gens dans un esprit sportif et uniquement sportif. Le management, c'est du sport. Donc, beaucoup d'émotions intérieures, mais pas de mauvais sentiments. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours besoin d'analyser pourquoi c'est moins bien fait que ce qu'on aurait dû faire. J'ai trouvé que la relation aux entraîneurs depuis 4-5 ans, elle est terrible. Parce que, quelque part, ils ont le savoir, on ne peut rien leur dire, et ils enchaînent les conneries. Quand ça marche, ils sont intouchables, ils sont sur la lune, et quand ça ne marche pas, c'est tout le monde a tort sauf eux. J'ai un sentiment de gâchis avec Cahuzac, parce que j'aime ce mec, j'aime ce qu'il représente pour le sport, et je sentais que c'était ce dont on avait besoin. J'ai le sentiment qu'on a mal géré le médical, et je le sentais, mais je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, avoir des ressentis comme ça et pas l'avoir mis en œuvre, ça veut dire que je n'avais pas la force ni la passion managériale pour le faire, et donc il faut sortir. Et j'aurais pu le faire plus tôt, ça aurait été plus intelligent, mais non, pas d'aigreur que de la joie, pas de ressenti, non, vraiment que de la joie et envie que ça reparte de l'avant, envie que vous fassiez exploser ce stade vers le haut, Damien, et de venir ici prendre du bonheur, et je serai ravi. Donc sincèrement, je suis le plus heureux des hommes de ce point de vue-là aujourd'hui. Merci. Et merci beaucoup pour votre venue. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions ou la plupart de vos questions. Et bon après-midi.